wanna be a winner. Bienvenue, Wendy, bienvenue. Blood, sweat, and tears written in the plaques of kings. One in a million, the billions are half the same. It's just, it's a dream come true. It's incredible. Jamais j'aurais pu imaginer d'aller au Hall of Fame. Moi j'aimerais beaucoup être en NBA, en équipe de France. Avec le Canada, c'est la France qui produit le plus de jeunes qui vont ensuite jouer dans la NBA. La ligue américaine est de très loin celle où on court le plus vite, on saute le plus haut. Pour les clubs français, ce qui est difficile, c'est qu'à peine ont-ils eu le temps de profiter de l'exposition de ces joueurs et de leurs talents, qui sont déjà partis. Le temps d'un été, le soleil s'est levé sur le basket français. Surgit du magma des possibles, Victor Wembanyama affole déjà les États-Unis. La NBA, la Ligue américaine de basket, seule capable d'arracher le natif des Yvelines, l'a fait atterrir aux Spurs de San Antonio. People have been showing me love so far, a lot of love, and I think I can give all this back. Vincent Collet, à la tête de l'équipe de France depuis 2009, a eu la chance de diriger le prodige dans son dernier club en 2023. C'est quand même un condensé de qualité chez une même personne. La taille déjà, aussi une motricité qui n'est pas celle d'un joueur de cette taille-là. C'est quelqu'un d'intelligent. Une pépite de 2m24, repérée quand il était encore enfant par l'inimitable voix du basket américain en France, Georges Eddy. Waouh, 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 c'est pas possible! Vous avez vu ça, messieurs, dames? Dunkorama! J'ai vu tout de suite, je me suis dit, mais ce gamin, c'est le Karim Abdul-Jabbar français. Il avait déjà un shoot parfait à 15 ans. Bon, je l'ai battu dans les concours de shoot quand même. Hein. C'est soit je me repose sur mes lauriers et puis je finis bizarrement, ou soit je fais ça et je finis ma carrière en beauté. Autre moment fort de cet été, Tony Parker et ses jambes de feu entrent au Hall of Fame. Le panthéon des meilleurs joueurs NBA de l'histoire. Tony Parker, qui est le joueur emblématique, qui a fait la plus grande carrière dans l'histoire du basket français, en gagnant 4 titres, en étant MVP de la finale NBA en 2007. Première fois qu'un Européen a réussi cela. Les gens disaient, mais t'es frêle, t'es pas très adroit. Et lui, il répondait oui, mais je suis très rapide. Et moi, j'ai constaté très vite qu'il faisait partie même des joueurs les plus rapides au monde. Si Tony Parker a seul atteint les sommets, l'histoire des franchises en NBA commence bien avant lui, fin des années 90. Le premier joueur à vraiment jouer et avoir un rôle dans la NBA, c'est Tariq Abdul-Wahad. Il a bien ouvert la balle pour les joueurs français dans la NBA. Le basket français a besoin quand même d'un boost, de montrer que c'est une nation qui sait jouer au basket. Dès qu'il y a eu Tariq Abdul-Wahad, Tony Parker, Boris Diaw, tous les regards des scouts NBA étaient dirigés vers la France. Tout le savoir-faire que les joueurs français qu'ils ont engrangé, ça n'a fait que grandir et progresser à l'image de l'INSEP, mais également à l'image des centres de formation dans chaque club professionnel en France. C'est là où les jeunes talents de demain sont formés. On va dire que les meilleurs vont à l'INSEP, c'est vraiment la crème de la crème. L'INSEP, l'Institut National du Sport, la Mecque de la formation Made in France. Petit frère n'a qu'un souhait de
dès l'âge de 10 ans. Devenir adulte avec les infos comme mentor, c'est éclater les tronches de ceux qui ne sont pas d'accord. À l'époque, le grand frère Evan Fournier, aujourd'hui au Knicks de New York, fut l'un des meilleurs élèves. On a dû être responsabilisé très, très rapidement, se prendre en main, être plus autonome, apprendre la vie de professionnel. Ça nous a appris la vie en groupe. Et puis c'est vraiment une introduction du sport de haut niveau. En France, on met plus l'accent sur le développement et la compréhension collective. Aux États-Unis, c'est plutôt le développement personnel. Poussés par leur coach, le rêve américain sourit aux plus persévérants. Mais c'est ça que j'ai du mal à comprendre dans votre démarche. J'ai du mal à comprendre. Et on a eu de la chance, de la grande opportunité d'entraîner des joueurs. Il n'y a pas, même pas un an, deux ans. Ils sont aujourd'hui en NBA. Un exemple, vous connaissez tous, parce que vous avez tous été ici avec lui, Ryan. Mais Ryan, il s'entraînait mais un million de fois plus que toi, Soprano. Il faisait un million de fois plus d'efforts que toi. On a beaucoup de jeunes qui sont des joueurs très athlétiques. Et la NBA recherche ça. Voilà, simplement, ce qui change, je pense, c'est l'opposition. Voilà, les jeunes joueurs américains, très jeunes, sont confrontés à plus de concurrence. Même dans les parcs, lorsqu'ils débutent, il faut gagner pour rester sur le terrain. Donc ça forge un mental en acier. Chez nous, lorsqu'ils rencontrent la concurrence américaine, il faut élever encore son niveau et ça, c'est parfois difficile à faire. Nathan Soliman, surclassé de deux années, serait l'un de ceux prêts à relever le challenge. 14 ans, 2m02, son quotidien est déjà celui d'un professionnel. La semaine type, on a environ 25 à 30 heures de sport par semaine, une heure de musculation tous les jours. Ce fan de Tony Parker et d'Evan Fournier rêve également de NBA. Moi, j'aimerais beaucoup être du coup en NBA, en équipe de France. Hein. Je suis particulièrement attaché aux équipes de France parce que justement, j'ai eu de très bonnes expériences, par exemple cet été au championnat d'Europe. Donc ça me tient à cœur d'y aller. Et pareil, bah, la NBA, comme tous les basketteurs, un petit peu, forcément. Sur les 44 Français parvenus en NBA en 30 ans, 15 ont foulé ces parquets. Mais tous peuvent témoigner, la NBA, c'est le niveau supérieur. Surtout, c'est vraiment dans le jeu, ça va beaucoup plus vite, c'est plus costaud, c'est plus athlétique. Il faut faire plus quand t'es européen pour pouvoir vraiment se distinguer. Il faut prouver. Il y a des stéréotypes là-bas sur les Français, sur les joueurs européens, qu'il faut combattre, et voilà. Lesquels ? Bah, c'est en train d'évoluer quand même, mais avant c'était soft. Juste des joueurs qui savent tirer, qui ont pas vraiment de cœur, etc. Si un joueur français comme Wembanyama peut aider une équipe comme San Antonio à redevenir champion, à briller au plus haut niveau, personne ne va vouloir critiquer le fait que Victor Wembanyama soit français. La NBA, comme j'ai dit, c'est un gros business, c'est typiquement américain, donc il n'y a que le résultat et la performance qui comptent. Le business avant tout est un monde d'écart. Si en 2022, les revenus annuels de la NBA s'élèvent à 10 milliards de dollars, il n'est que de 5 millions d'euros pour la Betclic Elite, le championnat français. Avec son humour un brin provocateur, Bastien Fontagneux s'est imposé sur Internet avec son émission Trash Talk. Puisque toute cette journée est dédiée à la franchise des Spurs de San Antonio dans le Texas. Le trentenaire qui se rêvait professeur d'anglais n'ose même pas la comparaison entre les deux ligues. C'est incomparable. Il faut comprendre que la NBA est une ligue de basket, mais c'est aussi une entreprise dans laquelle sont des entreprises. Ce sont de véritables institutions financières qui ont des budgets colossaux. Des joueurs peuvent être payés entre 3 à 5 millions par an jusqu'à 40 à 50 millions la saison. Les clubs français seraient-ils les grands perdants sur cet échiquier mondialisé ? Je pense que les plus grands perdants de ce système où les jeunes partent vite,
c'est à la direction de la Ligue nationale. Parce que tu n'as même pas le temps de créer du marketing, des revenus et donc une forme d'enthousiasme autour de ces joueurs. Je pense qu'il peut y avoir une forme de tristesse. Mais sinon, si on demande au club, je pense qu'ils sont très contents de les revoir chaque été parce que les joueurs sont très attachés et reviennent dans leur ville, viennent voir leurs fans. Ça leur apporte quand même un certain cachet, un certain prestige de formation. On ne va jamais être compétitif sur un plan économique, sauf s'il y a des grosses sociétés qui viennent pour investir, pour rivaliser avec le Real Madrid et les grands clubs turcs ou grecs où ils ont des énormes budgets. Le problème, c'est qu'ils ont un autre système fiscal aussi. Donc, ils paient beaucoup moins d'impôts, beaucoup moins de charges. Et tout ça, en France, ne va pas changer. Un système qui profite malgré tout aux clubs français. Le dernier club de Victor Wembanyama, les Metropolitans 92, aurait touché 2 millions d'euros lors de son transfert aux San Antonio Spurs. Cela n'a pas empêché ce club d'échapper de peu à la faillite, preuve que le modèle français a ses limites. Pour aller plus loin, il faut continuer le travail qui a été fait de détection, de formation et l'améliorer. Pour progresser, ça serait plus d'argent au niveau des sponsors, pour pouvoir garder les meilleurs joueurs plus longtemps. Est-ce que ça veut dire qu'il faut y aller à 100% sur un modèle NBA ? Non. Mais est-ce qu'on peut prendre des petites choses, la manière dont ils fonctionnent, la manière dont ils établissent leur saison, la manière dont ils mettent en avant leurs joueurs? Au pays des Zidane et des Mbappé, et malgré une grosse déception à la dernière Coupe du Monde, le ballon orange fait bonne figure avec ses 700 000 licenciés. Si les futurs Tony Parker existent, la route vers le rêve américain est faite d'ombre et de splendeur. Dans cette étrange poursuite que la France a entamée, seul le temps nous dira si l'Hexagone trouve son rythme américain.